voix. Ah oui, ah, elle fait tout. Voilà. C'est un petit pic. Rien. Un petit pic. C'est le petit pic. Tu fais du sport? J'ai fait. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, mais ça c'est vraiment, ouais. C'est développé du haut. Et donc c'est justement la morphologie, la VS, la morphologie des filles qui sont sportives. Donc ça masculinise un peu. Pourquoi? Parce qu'on a de la carrure, d'accord? Là, la carrure, et ensuite, mince-là. V. Alors, la V, il faut féminiser. Féminiser, ça veut dire créer des courbes. D'accord? Donc, tout ce qui est veste droite, c'est non. Mm-hmm. Les vestes doivent être à l'extérieur, légèrement centrées, mm-hmm. histoire de donner une illusion de taille. Cache, tu n'as pas. D'accord? Illusion de taille. Mais tout ce qui est près du corps, tout ce qui est à l'intérieur de la veste, il faut que ce soit exactement comme tu fais. Tu vois, vraiment, des trucs près du corps. Mm-hmm. Bien évidemment, toi, comme tu es en V, tu mets de taille basse. Mais par contre, tout ce qui est Marcel. Oui, des balances pour la maison. Ouais. Ensuite, col roulé, mm-hmm. ça va augmenter. Les vestes maintenant épaulées, un peu comme ça, tu vois que c'est très à la mode. C'est pas bon. Les manches bouffantes, mm-hmm. c'est pas bon. Tout ce qui est dans les grands cols, au contraire, tu vois, toi c'est grand col, toi c'est petit col. Tous ces grands cols, ça augmente. Et les fesses, est-ce que tu arrives à les fermer? Oui, à la de poitrine. Ça dépend. C'est plus. Non, non, mais encadrement. Non, ça va, non, c'est fermé. Ouais, parce qu'il y a des filles qui sont vexées, qui n'arrivent même pas à fermer la veste. Non, donc, la veste, donc, bien étriquée, pas très épaulée, mm-hmm. très importante. C'est la couture, une couture courte, en fait. Voilà, la couture vraiment près des épaules. Toute fine, grand col, pas de grand col, petit col, tu vois, légèrement centré. Mm-hmm. Une autre veste qui te va très bien, c'est la paletot. C'est celle qui part en trapèze. D'accord. Parce que ça va équilibrer la carrure avec le bas de trapèze, tu vois, ça sera plus équilibré. Si tu prends une centrée, attention pour n'être pas trop épaulé, parce que là, du coup, ça va te faire quand même un V et on ne veut pas. En ce qui concerne les jupes, c'est vraiment du droit. Mm-hmm. C'est bien, c'est un bootcut. Les bootcuts, de toute façon, c'est un va tout le monde. Hein. Ça, c'est bien parce que ça équilibre les bas avec tes épaules, mm-hmm. mais les jupes doivent être droites. Droite. Pas d'évasion. Pas de tout trapèze comme ça, parce que. Mm-hmm. Donc, on est droite pour montrer que là, tu es fine. Tu mm-hmm. vois, ça, c'est un atout. Par contre, en haut, évitez des hauts moulants. Mm-hmm. Parce que tout ce qui est moulant va marquer tout ce qui est épaule. Donc, tout ce qui est fluide, des hauts fluides, même s'il y a des volumes, des blouses, des trucs comme ça, c'est très bien. Donc, tu donnes du volume en haut, mais pas du volume en épaule, tu vas en fluide. Volume en haut et tu restes toujours près du corps en bas. Et bien évidemment, comme tu n'as pas beaucoup de poitrine, lever la plongeon, c'est génial. Ou alors que ça tombe en épaule, que ça tombe en haute épaule. Tout ce qui est féminin et tout ce qui est fluide, mais du volume, tu vois, on veut pas, mais volume ça veut pas dire de tout rigide. Non, non, non. Volume des blouses, des trucs en mousseline, des trucs comme ça. Donc volume en haut et presque au corps en bas. Et puis droit pour les jupes. Oui, voilà, droit pour les jupes. Et tu peux te mettre un mousseline aussi, hein. Oui, tu sais. Et tu peux les mettre en pantalon pour voir l'état de la jambe. Magnifique. Regarde, des fards. Tu les montres? Il faut que je les montre. Ben, j'ai des gens. Le mariage, tu vas être comment? Mariage, c'est. Ah oui, c'est carrément. Ah oui? C'est pisté et j'ai une photo. Donc, t'as déjà acheté? Je vais la acheter, la commander. Ah bon? Pourquoi? On va rien dire. Non, parce que les bras, quand on était, c'est pas bon le bisté. Mais pourtant, les bretelles, ça aurait tout coupé la montre. Non, mais là. Attends, tu l'as fait avec des. Non, non, le bisté. Alors, le bisté, mais après, ça part comme ça. Non, elle est très. En fait, elle fait taille basse. Dans les coutures, elle fait un effet taille basse dans les coutures parce qu'il y a des volumes qui se mettent un peu en comme ça. Oh là là. Donc ça cintre bien là et c'est ici. Après pour les épaules, je sais pas, mais je trouvais ça pas très joli d'avoir un. Non, bon, c'est pire. Un truc ici. Quoi. Autant mettre un frein dans son. Après, je sais pas s'il y avait d'autres, mais l'hiver, oui, quand t'as des manches, je fais ça. C'est l'été. Je vais un peu. Tu vas m'envoyer des photos, monsieur. Je vais sur mon Instagram.